Les procès ont lieu devant nous. Ma lame... Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers. Les gardes sont vigilants par ici. Sédition. D'autres actes répréhensibles. Vous êtes. Chacun sera confié à avouer ses stupides. L'aveu accorde une fin sereine. L'absence d'aveu garantit de pénible. Rain Grant, je suis innocent. Avoues-tu avoir lâchement comploté de trahir Dame Edwin? Mon père, son père, le bourreau a été tué. Hey, intérêt à ouvrir l'œil. Attrapez son meurtrier. Sauve-nous. Le Christ est à nos côtés. Je me rallie à Gedrick. Je te dois la vie, l'ami. Il faut éliminer Edwin une fois pour toutes. Edwin va me faire écorcher vive. C'est Gedrick qui m'envoie. Vite, filons d'ici. Nous pourrons parler tranquillement là-bas. Nous avons combattu...
des années pour notre Windelderman. Maintenant, sa veuve veut nous voir mort. Soyez tous bénis. Grâce à vous, je vais pouvoir faire payer Edwin. Je suis le Feinhold. Gedrich est-il vivant? Il est en sûreté à Buckingham. Malheureux Fein, nous sommes à tes côtés dans ce combat, afin que ces terres restent aux mains de ceux qui aiment la Mercie, qu'ils soient saxons ou danois. Dieu sait que je préférerais voir ma fille mariée à un danois plutôt que de vendre un de mes cochons à quelqu'un du Wessex. Si Gedrich est avec vous, je le suis aussi. On nous a dit que tu connaissais une sainte femme, Fulke. Où est-elle? Ne pourrait-on oublier un peu Fulke, pour se concentrer sur Edwin? Fulke détient un secret qui pourrait retourner la situation. Sans elle, je ne peux mener à bien mon but. Fulke, la folle? Si tu veux mon aide, tu vas devoir t'expliquer, mon frère. Quel rôle crucial peut bien jouer une folle dans tes projets? Quand nous l'aurons trouvé, je te dirai tout ce que tu veux savoir, mais pas avant. Soyez conscient d'une chose. Fulke est une hérétique, une semeuse de savoir envenimée et une ennemie de l'Église. Elle prétend avoir vu ou parlé avec Dieu en personne. Pour cela, Edwin l'a fait enfermer, mais j'ignore où. Dans un monastère, sûrement. Allons nous renseigner. Sigurd, ne faudrait-il pas avertir Gedrich de ce qui s'est passé ici? Tu peux aller lui parler en mon nom. Mais nous devons faire vite. La vie de Fulke est peut-être en danger. Cette femme risque de nous faire perdre tout ce que nous avons gagné ici. Crois-moi, Eivor. Fulke est très importante. Tu le comprendras bientôt. Je l'espère, oui. Nous avons un campement à l'est de Linforda. Un vieux port sur la Gretouze. Retrouve-nous là-bas. Nous, Fein, allons lever un fyrd et nous joindre à vous contre Edwin. Quel qu'en soit le coup. Porte cette nouvelle à Gedrich. Et dis-lui que nous serons prêts quand il nous appellera. Nous aurons besoin de chaque homme. Pas un seul soldat ici. Gedrich s'en est occupé. Elle est bien approvisionnée, c'est certain. Une belle capture, mon gars. Ah, ça n'a pas été facile. Des jarres d'huile, des traits d'espringales, du fourrage,
Prenez ce qui peut servir et brûlez tout le reste. Gedrich. Eivor, les Seignes sont en vie? Jusqu'au dernier. Ils sont résolus à lever un Fyrd. Ils sont tous à tes côtés, Gedrich. Nous aurons besoin de tous les bras et de toutes les armes face à Edwin. Et ton frère et toi, vous êtes toujours à mes côtés. Tu parles sans détour, Gedrich, j'aime ça. Ma hache est à toi, et celle de mon frère aussi. Edwin est allé poser sa croupe dans son château, mais elle ne manque ni d'hommes ni de vivres. Maudite soit-elle. Où sont ton frère et cet homme étrange? Il continue à chercher cette femme, Fulke. Il a l'air de penser qu'elle l'aidera à envoyer Edwin au tombeau. Mais je ne vois pas comment. Fais ce que tu dois, Eivor. Je vais préparer les hommes dont je dispose à la bataille à venir. Je vais faire mouvement vers le château de Kinebel et amener le Fyrd en vue d'un assaut. La forteresse d'Edwin est solide. Est-ce que je peux faire quelque chose pour affaiblir son emprise sur le comté ou l'inquiéter? Ah, peut-être. Tu pourrais t'en prendre à ses portes étendards, défendre mon Fyrd s'il est en mauvaise posture. Nous avons volé une part de son ravitaillement. Si tu trouves d'autres réserves comme celle-ci, détruis-les. Je le ferai. Quand tu seras prêt à combattre, viens me retrouver près du château de Kinebel. Ça réveille mes souvenirs de Bobberg. On avait bien patrouillé au fin fond du village. Les filles avaient la terre et la bière. Oh, tu as vu Roumon, là? Il est parti voir sa femme. Ça me fait penser que... Va voir, Séné. Près d'un vieux port. C'est sûrement le campement. Va, ma fille. D'après ce que j'ai appris sur Fulke, elle n'est pas avare de son savoir ésotérique. Quand on lui pose une question, elle répond à 10. Bien. Trop intéressée. Elle pourrait s'en servir contre nous. Et voilà Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor.
Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Ton Jarl, cette raison devrait te suffire. Pourquoi ? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud ? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. J'ai déjà pillé l'abbaye de Saint-Alban et emporté ses trésors de la crypte à la nef. Je n'y ai vu aucun prisonnier de valeur. Elle est là, je le sais. Et elle est le plus précieux de tous les trésors. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit ? En tant que frère, en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Quand tu as attaqué Saint-Alban, tu es sûr de n'avoir rien vu ? Ni crypte, ni prisonnier ? Non, je ne me rappelle rien de tout cela. Que sait-on de cette femme ? Peu de choses. Elle semble être une sorte d'aventurière. Thane l'a qualifiée d'hérétique. Tant mieux pour nous. C'est manifestement quelqu'un qui connaît son propre esprit. J'envie ton optimisme, mon frère. Voilà le monastère. Ici. Enfin. Car comme Saint Judas, je te remercie, Jésus bien-aimé, de la sagesse permettant de percer le voile de Sophia, de voir au-delà et par-dessus les... Qui ose pénétrer dans ce sanctuaire ? Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu ? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique ? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ces hérésies doivent être punies. Pas par des Danois ou des Mahométans, mais par de vrais chrétiens.
chrétien, nos mains sont rouges du sang de tes gardiens. Ton Dieu est-il si assoiffé de martyrs que tu veuilles mourir aussi? Tu soulèves un point de valeur. Puisse la prière me guider. Le Seigneur m'invite à accueillir tous les étrangers. Tiens, ami, prends la clé et emmenez votre curieuse camarade. Sois loué, Seigneur du Trésor de Lumière, pour cette occasion de délivrance. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe, ou par le démiurge autogène supérieur? Je ne saurais répondre. Es-tu la femme appelée Fulque? Je suis Fulque dans ce monde, et je cherche humblement la vraie nature de l'autogène. Et tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou, oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée, et cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez. Peut-être à moi. Pour tes prétendues hérésies. Des hérésies, oui. J'ai eu la chance de découvrir de nombreux objets profanes. Des objets qui attestent des œuvres du démiurge, le faux dieu vénéré par ces imbéciles en robe. J'ai trouvé de telles reliques en Germanie et en Francie, mais également ici, en Angleterre. Dame Edwin les dit blasphématoires, mais elle a l'esprit embrumé. En vérité, ces objets ont une valeur immense. Et peut-on les voir? Si vous désirez connaître la vérité de vos origines, je vous les montrerai dès aujourd'hui. J'aimerais beaucoup, oui. Je te suivrai. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Fulque est la gardienne d'objets de grande valeur. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Savoir que je descends d'anciens dieux est une victoire. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines? Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes? Fulque, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de Pierre de Saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. As-tu l'intention d'acheter et d'échanger cette pierre contre une alliance, ou plus de guerriers? Servira-t-elle à autre chose qu'à flatter ton orgueil? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois? Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô autogène, pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulque. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de Saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Oui,
pierre, Fulke. La pierre de Saga nous vient d'une antique race, d'une génération de dieux inférieurs, comme tous les artefacts que je collecte pour mon église. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons. Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise, pour avoir professé cette idée. Oui. Les chrétiens, comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur Terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner par les mensonges de sa classe, ou Yaldabaoth, le démiurge multiple nom, un dieu inférieur. Sa classe et les siens ont, en leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange, Fulke. Et elle est encore bien loin d'être achevée. Soyez sur vos gardes. J'observe. Attention, tout le monde. Notre présence déplaît aux villageois. Ils ont sûrement les yeux et les oreilles déplaits. Passé romain de cette île. Mon acolyte l'a trouvé ainsi, à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui m'ont valu d'être enfermé. C'était un prêtre ? Oui. Et il est... L'évêque est en terre, simplement trop lâche, trop obtus. C'est très qu'il nous détenait. L'endroit a été mis à sac. Basim, monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. À n'en pas douter. La pierre est à l'intérieur ? J'ai demandé à Paul de bien la cacher. Mais j'ignore à quel endroit. Pardieu. C'est lui ? Paul, ton acolyte ? Et mon meilleur ami. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edwin. Thank you.
Comment osez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin, une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes. Et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Oui. C'est l'un des objets impies de ces hérétiques. C'est pour elle que vous êtes là. Nous sommes là pour un marché. Cette pierre contre une promesse de paix. Qu'est-ce que tu dis ? Gedrich avait notre parole. Rends-la nous ! Et alors nous quitterons à jamais tes terres. Pour la voir, il faudra m'offrir la tête de Gedrich. La pierre est à portée de notre main. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu ? On accepte. Bien. Non, sûrement pas. Non ! Tuez-les ! Personne n'en échappe ! Eivor, tu as perdu l'esprit ! Edwin s'enfuit ! Nous avons eu notre chance ! Tu le tiendras ! Assez sur le flanc ! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas, Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Quand je fais une promesse, je la tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl, le Jarl Sigurd, ton frère et maître. Reste en dehors de ça ! Assez ! Si on se demandait pourquoi Sigurd commande et pas toi, voici la réponse. Tu t'emportes trop vite, ami des loups. Exige un Holmgang si tu veux régler ce différend avec Basim. Ou alors, suis-moi. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Edwin va rejoindre son château. Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela a été ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Reste là, t'apitoyer sur ton sort, mon frère.
Moi, j'ai une promesse à tenir, et je compte le faire. Tu te surestimes beaucoup, Eivor. Tu n'as pas la sagesse d'Odin. Basim, viens. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré ? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à ce jour. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Veux-tu combattre à mes côtés ? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté ? Oui. Giedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où proviennent ses vivres et son équipement ? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee. Il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. Retrouvons-nous là-bas. J'y serai bientôt. Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Les défenses d'Edwin sont affaiblies, mais je peux en faire plus avant de rejoindre Fulke. Montre-moi. Bonjour. Veille à ce que nos facteurs de flèches en préparent assez pour chacun. 20 par homme. Je veux voir ces hommes ici, en formation. Giedrich. Eivor. As-tu déjà porté quelques coups à Edwin ? Oui. Elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça ? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couenne de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es un coriace. Regardez, voilà Eivor. On est avec toi, Eivor. Les murs de ce château ne nous empêcheront pas d'entrer. Longue vie à Guéry.
l'air imprenable. C'est là que se réfugiera Edwin. Aide-moi, deviens mes yeux.
pourrais m'occuper de ces chaudrons. Je dois les mettre hors d'état. Il reste des choses à faire, mais cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Gedrich de mener ses hommes. Va, ma fille.
Dehors! Là!